Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est édition Chita attend des nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info. Quel que soit côté branché, on dit bienvenue sur le canal information sans fausse côté. Nous toujours contents, amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter édition nouvelle par la semaine ça. Nous en mode édition spéciale. Eh bien, nous portons une édition spéciale week-end pour vous. Comme vous connaissez, information qui était dominée actualité pendant toute semaine dans le pays d'Haïti, c'est assassinat ancien. Président Jovenel Moïse, donc qui mourit dans date dans la nuit 7, alors mourit assassiné dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet passé. Donc d'après toute information, c'est un commando armé qui a gagné 28 personnes dans la et parmi 28 là gagné et 26 Colombiens avec deux Haïtiano-Américains qui ta commettre eh bien assassinat odieux ça sous président République la président Jovenel Moïse dans la nuit eh bien 6 pour ouvrir 7 juillet passé. Donc qui ça cap fait kounia eh bien kounia nous na eh bien et période et bilan côté ces bilan cap fait eh bien quelques heures après assassinat. Mais la police nationale d'Haïti a lancé une opération pour retrouver la police nationale avec la mer. Donc, a lancé une opération pour retrouver eh bien, et présumé assaillant. Donc, c'est comme ça. Pendant ce moment, eh bien, ils arrivaient à arrêter 17 Colombiens, donc sous 26 là. Donc, gagné et disons 4 qui mourit d'après ça, directeur général AIPNH l'a fait connaître dans échange de tirs avec la police. Dans le moment où ils tenté d'arrêter, ils ont arrêté tout 2 haïtiano-américains, donc 2 américains qui d'origine haïtienne qui étaient dans le coup à tout d'après ça, directeur général AI, la police là, Léon Charles lui-même l'a fait connaître. Donc, j'en ai dit, il y a en tout 17 Colombiens qui jouent à l'arrestation, 4 mourir dans l'échange de tir avec la police, et puis il y a 2 Haïtiano-Américains qui ont même joué à l'arrestation, tout qui n'en met la police. Ça fait en tout et donc 19 personnes qui n'en met la police dans le cadre d'enquête qui a mené sous un bien assassinat qui fait sous. Président Jovenel Moïse. Pour qu'on y a arrêté, eh bien, 6 Colombiens y a cherché. D'après ça, directeur général, la police là, la police là, fait qu'on est. Donc, Jean Ondioli, amis téléspectateurs, situation est vraiment et grave dans le pays d'Haïti, côté, eh bien, un commando armé entré, y a assassiné. Donc, président Jovenel Moïse dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet passé. Donc, d'après ça, au commandement, l'armée et avec la police, donc, colombien, fait qu'on est, donc, qui a réagi dans le cadre d'une conférence pour la presse. Donc, gagné 2 dans 4 personnes qui mourir, eh bien, ils ont confirmé ces 2 anciens qui militaires qui étaient fait partie de l'armée colombienne. Au état-major, la police avec l'armée colombienne n'a fait qu'on est, ils ont reconnaître gagné au moins 15 Colombiens qui ont même participé dans l'opération SILA, donc qui était désengagé, il était désengagé dans l'armée dans l'année 2018 pour arriver 2019, qui donc pas fait partie de l'armée colombienne encore, d'après déclaration général Jorge Luis Vargas, qui est chef police, l'armée, disons, chef police et colombienne, dans le cadre d'une conférence de presse, l'ITBAI. Donc, quelques temps après, eh bien, Zaksa a fait une fête dans le pays d'Haïti. Donc, il faut que nous disions pour qu'on gagne information, pour qu'on ait qui est ce monde, qui, eh bien, ou bien qui groupe monde qui a commis assassinat ça sous président Jovenel Moïse. Entre-temps, la police avec l'armée colombienne dit, eh bien, yo suspect gagne 17 anciens militaires colombiens qui ont même participé dans l'assassinat ça qui fait sous président Jovenel Moïse. Donc président colombien sous Opal, Ivan Duque, donc qui lui-même t'est parlé avec premier ministre AIA Claude Joseph, donc promet
la continuer collaborer avec l'État haïtien dans le cadre d'enquête la menée sous assassinat qui fait sous président haïtien Jovenel Moïse. Entre-temps, faut que nous disions dans le cadre d'enquête qui est bien menée dans le cadre question assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse là gagné commissaire gouvernement Port-au-Prince M. Bedford Claude qui lui-même a lancé un bon papier timbré là voyez bail et plusieurs autorités dans la police avec disons monde qui n'a pas de politique ak nan société civile là avec homme d'affaires donc qui monde papier timbré ça yo al joine. Eh bien, c'est d'abord Dimitri Hera qui est chef unité sécurité, générale Palais National là, gagné Léandre Pierre Haussmann qui est chef unité sécurité présidentielle, gagné inspecteur principal et Amazon Paul Eddy qui est responsable CAPTIM. Donc yo voyé papier timbré, commissaire gouvernement voyé papier timbré bayo, donc pour date lundi et 15 disons 12 juillet qui a venir là pour eh bien paquet attendez yo l'autre autorité yo voyez papier bail papier timbré bail eh bien gagner leader politique avec homme d'affaires d'abord ou joine homme d'affaires Reginald Boulos gagner Steven Irvinson Benoît qui c'est ancien sénateur l'Ouest ancien candidat à la présidence gagner Yuri Latortue qui c'est leader AAA et parti Haïti en action gagner Dimitri Vob et puis avec Jean-Marie Vob qui eux même c'est deux hommes d'affaires donc pour à répondre question eh bien paquet journée lundi cap 12 juillet cap venir là sorti 10h dans matin disons pour arriver 11h30 comme ça. Donc, c'est sous assassinat président Jovenel Moïse là, convoqué, eh bien, monsieur Silayo. Donc, devant Gwola Perez, autorité haïtienne, yo gagné pour climat insécurité, détérioré dans le pays d'Haïti après assassinat lâche président Jovenel Moïse. Donc, si tout, eh bien, pour mercenaires, yo même, yo pata attaqué quelques zones avec sites stratégiques, tant que port, aéroport, terminal pétrolier dans le pays A pour éviter, donc, éventuelle attaque, et puis, donc, pour t'assimer confusion, confusion dans le pays A. Donc, c'est pour raison ça, eh bien, gouvernement haïtien lui-même, il t'a demandé Washington avec Nations Unies pour être capable de voyer troupes, soldats, même pour venir bailler mais site ça yo sécurité dans le pays d'Haïti. Donc Nations Unies avec pays États-Unis déclaré mais pas de questions. Donc yo pas répondre gouvernement haïtien à travers demande et Claude Joseph qui c'est premier ministre AI démissionnaire qui lui-même t'a demandé pour voyer troupes soldats Nations Unies avec Américains viennent surveiller une série de points stratégiques dans le pays d'Haïti. Donc gouvernement haïtien li paniqué donc après action mercenaires eux-mêmes et li demandé États-Unis avec ONU pour envoyer soldats dans le pays d'Haïti et ben viennent surveiller yon série de sites avec zone stratégique nan pays. L'autre information, toujours information qui gen rapport avec crise politique là nan pays d'Haïti, gagnen eh bien Sénat République là tire Sénat qui gagne 10 membres là-dedans, eh ben gagne yon résolution qui fait là-dedans journée vendredi a, mais côté yo voté, yo rivé voté Joseph Lambert qui lui-même c'est président Sénat. Yo voté comme président République là qui a gagné pour le remplacer Jovenel Moïse qui mouri. Donc même journée vendredi à tout PHTK qui c'est parti haïtien tête calée avec plaisir parti politique à regroupement politique dans opposition ben côté yo choisi Joseph Lambert comme président et puis avec Ariel Henry comme premier ministre qui lui-même était déjà nommé et ben yo reconfirmé le libéral mené et ben il t'a supposé al mené bak pays ensemble avec Joseph Lambert dans tête pays d'Haïti comme président avec Ariel Henry comme premier ministre.
Donc, pour secteur démocratique avec Popilea lui-même, eh bien, décision si là, il prend trop vite. Cependant, SDP, qui c'est secteur démocratique avec Popilea, quoi, c'est un bon bagay, les plusieurs partis politiques sa yo, avec divers secteurs, yo entendent yo, donc sous choix président, disons Joseph Lambert comme président, avec Dr. Ariel Henry comme premier ministre, qui était déjà choisi et qui était déjà eh bien, officiellement et monitel te gata sorti qui nan mel. Donc cependant, yo fait qu'on est, faut que yo joine yon consensus qui pillage entre toute partie politique avec divers secteurs qui nan vie, divers secteurs vivent nan vie nationale. L'autre information, toujours dans le pays d'Haïti, c'est toujours information qui gagne rapport avec question assassinat qui fait sous président République là, Jovenel Moïse. Donc, insécurité menace la mort. Donc, ces conséquences assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse dans la nuit mardi qui était 6 pour l'ouvrir et mercredi 7 juillet passé. Donc, gagné journée vendredi, plusieurs centaines citoyens haïtiens qui étaient massés devant l'ambassade américaine à Port-au-Prince, plus précisément dans Tabac, côté ambassade de la Chita. Donc, côté, ils ont demandé asile politique à cause, eh bien, situation confusion, insécurité qui blaye col dans le pays d'Haïti. Gagné quelques non-citoyens saillants qui fait qu'on est. Donc, yo c'est madame policier en service dans PNH là. Donc, qui ont même absibi pression la mort dans téléphone qui pas identifié. Donc, depuis assassinat chef l'État Jovenel Moïse, pour dire soit y a vinn touye yo ou soit y a vinn touye mari yo, d'après ça yo fait qu'on est. Plusieurs nan candidat pour asile politique sa yo qui était devant ambassade américaine nan fait qu'on est. Donc, yo te sorti vin prendre nom yo devant ambassade là, mais yo pa konnen ki sa kap fèt pou yo pou kounye a. Donc yo poko men ni rele yo ni yo di yo pou ta di yo ki sa kap fèt. Zanmi téléspectateurs, zanmi internautes, c'est édition spéciale week-end nan nou te pote pou ou pou di yo sa k'tap pase pendant week-end nan. Donc nous remercions pour écoute ak attention. C'était Zanmi ou frère, mais info qui t'a servi, nous casser rendez-vous demain, même la même chaîne, si papa bon Dieu content. À bientôt.